sur Banzai Live. Et oui, je suis désolé. On va jouer à Hugo Bukazoom, un jeu incroyable qui m'a coûté la bagatelle, la coquette somme de 3 euros. Il est dans toutes les langues, hein, dans toutes les langues du monde. Mais que fait Hugo par le plus grand, pas plus grand qu'un insecte? Au volant un curieux bolide, il se prépare à dévaler marécages, déserts et prairies dans une course effrénée au pays des pucerons, Bukazoom. C'est un jeu de course pas comme les autres. C'est Mario Kart. Bref, Bukazoom, Hugo, le racer incroyable de la PS2 hein, que le monde entier nous envie certainement. Hugo de Hugo Délire. Comment on a fait pour nous vendre encore du Hugo après Hugo Délire? Je ne sais pas. Mais, c'est une réalité. Les jeux ont continué, la série existe, quelqu'un possède le design de Hugo et s'est fait des couilles en or, alors que ça n'a jamais été bien. Même quand ça passait à la télé. Ce temps de chargement a l'air tout à fait raisonnable. Nous sommes en 2003. Bonjour et bienvenue. Finalement, pourquoi jouer à Unreal 2004 qui est sorti en 2003? Pourquoi? Ah non, c'est en 2003. Alors, pourquoi jouer à Unreal? Pourquoi jouer à Unreal 2? Oh tiens, on est encore là? Il est sorti en quelle année, Mario Kart Double Dash? Allez, on se cramponne, car c'est parti pour le Bukazoom! La même année. Okay. Allez, on ne va quand même pas y passer la journée. Il me raconte sa vie. Pour moi, c'est pas ça la voix de Hugo. Hein. Une voix beaucoup plus grave. On va jouer en solo. Alors, on a course au ballon. Course, prends le ballon. Course de taxi. Parcours libre. Promène-toi aussi longtemps que tu le veux. Ben, on va faire ça déjà. On peut lancer la partie avec Hugo. Hey, la petite trollerie. Ça, c'est Trollera. Et voici Trolleru. Hugolina, ma femme. Dans son insecte, elle se sent pousser des ailes. Ah, d'ailleurs, Fernando, ce drôle d'oiseau est un pilote de haut vol. Jean-Paul se sent libre comme l'air à bord de son coléoptère. Donc Rocco, ce n'est qu'un crâneur à mon avis. Enfin, hey, oh, c'est moi. Hey, choisis Hugo. La ferme d'Ibuc, en normal. Oh, tu peux jouer au crépuscule. Attention, ça va être beau, je pense. Revenons en arrière. Y a-t-il un mode 16/9 sur ce jeu hautement avancé? Et avoir pensé à tout, mine de rien. Non. Je voulais voir au maximum, parce que ce serait dommage que vous ratiez ça. Puis allez, bah, championnat, soyons fous. Avec Hugo. Ouais. Ah, Squirtune qui est encore jaloux de mes jeux PlayStation 2. Ah mais mec, il y a de quoi faire. Y a de quoi... Franchement, j'ai tout pour en passer des bonnes soirées. Sauf des amis. Est-ce que Mario commande chaque nouvelle course? Effectivement. C'est Hugo Bukazoom, le jeu de bagnole Hugo. Des niveaux ouverts et libres d'accès, des power-up intuitifs, un système de score favorisant l'élaboration de stratégies. Bref, Bukazoom, c'est vraiment le jeu de course dont tu rêvais. Bon, maintenant, il faut passer entre traverse les 10 portes au ballon, le gagnant celui qui marque le plus de points. Quel enfer. Alors, je vais jouer avec la croix parce que l'analogie... Putain, mais c'est... Jouable. Ça mérite d'être plutôt fluide. Ouah, mais attends, mais le dérapage, c'est un coup de frein à main, le bordel, quoi.
Porte prise par Troll Rut. Ah non, mais c'est toi qui es en rut. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qui est ce pauvre fou? Kazoom! Bukazoom! Et quel enfer, pourquoi c'est pas juste un racer normal? Pourquoi t'es pas comme les autres enfants? Allez! C'est qui le patron? Ne m'approche pas, débile! Il est super ce jeu! Mais ça suffit, arrêtez de faire de la pub du jeu pendant le jeu! Est-ce que moi je fais de la pub sur mes vidéos ou dans mes vidéos en disant abonnez-vous? Et comment tu veux gagner? C'est totalement arbitraire. L'ambiance sonore me rend fou. Je suis une tortue. Y'a quoi? Mais... j'ai mal au crâne. Quelqu'un qui a quatre portes, quoi. Regarde, vous avez vu à quel point j'ai fait j'ai mis mon frein à main, mais les mecs sont déjà d'avance là-bas vu qu'ils étaient en retard pour l'autre truc. Un jeu à patounes de cartes, et c'est ça la première impression que doit faire le jeu. Vaut mieux attendre la porte en restant sur place. Insupportable. Là, comment tu veux battre les autres gars? Ils sont derrière, ils étaient derrière moi, donc maintenant ils sont devant. Ouais, merci Kali. Mais regardez, je si j'appuie une là, à chaque fois que je tourne, j'appuie une fois sur la croix. Ça fait vraiment un poup. C'est injouable. Le stick est pas mieux, hein. T'amuses. Je me vengerai. Mais ta femme s'appelle Ugolina, Hugo. C'est comme si moi je sortais avec Texas Granger et que tout le monde faisait semblant que c'était bien. Oh mais non, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Là, c'est que le jeu, il a pas l'air si mal produit, c'est juste que bah, qu'est-ce que c'est que cette licence dans l'autre de l'enfer, quoi. Enfin, Hugo, quoi. Aucun enfant n'est fan d'Hugo. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de série, il n'y a pas de... il n'y avait plus d'émission ou quoi que ce soit, donc quel est l'intérêt? À part que des putains de parents boomers déjà en l'an 2003... genre, oh ça c'est bien Hugo, c'est bien pour les petits enfants, j'ai vu, c'était un peu des jeux vidéo comme à la télé. Ce système d'attrape-ballon n'a aucun sens. Tu cours après un truc en mode battle royale, sauf que ben, les premiers sont forcément les derniers quoi. Au milieu tu te feras toujours niquer. C'est vraiment un plaisir. Regarde, il y est déjà. Quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt? Heureusement que je regarde la minimap parce que putain, c'est... mais c'est infernal, ils y sont! Regarde, ça spawn sur eux! Donc t'avances, puis en fait, du coup, là, ça spawn sur moi. Qui a fait ce système de jeu? Regarde, là, ils sont déjà dessus. Il y en a un qui est mort, et voilà. Et maintenant, en fait, il fallait pas que j'avance. Comme ça, je suis sûr d'avoir au moins une sur deux. C'est quoi ce game design de chiasse? Oh non, oh putain, j'arrive à me casser la gueule. Tout seul. Et l'autre, elle me boule. Mais non, elle va gagner! Sale pute! Et ta grosse mère. C'est ultra pénible. Mais l'autre, elle est à une porte, elle est en Killing Springy là. Mais qui a fait ça? Mais tu le testes, tu vois que c'est déjà craqué, quoi. J'ai lancé le jeu il y a 5 minutes. Mais non, mais il est déjà à la porte. Mais ça, au secours. Ça leur spawn sur la gueule. Là, j'utilise un boost.
Voilà, du coup c'est mort. Du coup c'était quand même encore en face. Pourtant j'en ai peu moi de cartes racer nulles dans ma collecte. Là celui-là c'est quand même pas mal le pompon quoi. Attention. Non, il l'a prise. Oh mais je suis dégoûté, j'allais gagner. Mais là comment tu peux avoir celle-ci? Mon dé à 9, elle va l'avoir forcément la noire. Bugazoom. Mais oui, c'est fini, mais quel jeu de chiasse. Oh. Allez, transport de pucerons. On continue, on se calme. Bugazoom. Non, j'ai pas Crazy Frog Racer. Le jeu est sorti 11 jours avant Crash Nitro Kart sur PS2. Mais je pense que vaut mieux ça que 11 jours après. Par contre, la physique des éléments est powered by Havok, le moteur physique d'Half-Life 2. Voilà, voilà. Et c'est vrai que c'est un peu la mode sur deuxième partie de génération que les jeux, même PS2, avaient aussi la technologie Havok. Je sais de mémoire que le jeu Astro Boy a utilisé Havok aussi. Ramène 5 pucerons sains et saufs à ta base pour attraper un. Fonce dessus, le gagnant, celui qui a le plus de points. Ok. Gagne cette course pour débloquer un niveau. La caméra n'a aucun sens. Donc, ok, donc il y a un puceron là-bas. Ok, c'est les petites boules là-bas. Tu as un puceron. Que tu as un. Ah, faut se le piquer. Oh, j'ai déjà mal à la tête. Mais non, mais c'est injouable. Par contre, avant Mario Kart DS, c'est un capture the puceron. Golina a gagné un puceron. Allez, maintenant on court tous après le puceron là-bas. Du coup, c'est Jean-Michel qui a le puceron. C'est fou, ils ont un moteur qui est correct. Une conduite à chier, certes. Et ils font que des combats en arène. Ça, c'est le mode championnat normal. Hein. Allez, quelqu'un d'autre a capturé un puceron. J'ai le puceron, niquez-vous. Avec toute mon affection. Mais non, là j'ai pas attrapé le puceron, style. Ah putain, le truc. Mais regardez ça! Et je fais des. Franchement, je vous assure que je titille à peine la croix de direction. Le machin fait des têtes à queue à moitié, quoi. Non, on est dans un championnat là, c'est ça, c'est le vrai mode de jeu pour débloquer les trucs. Donc quand t'as acheté le jeu, il faut faire ça là. Hein? Pourquoi tes cheveux fument? Yes. Ah, attends, par contre, faut que je le mette où moi? Ah, faut que je le mette dans ma coccinelle à moi. Mais non, mais n'importe quoi, mais. Dérapage, mais ça, j'ai mal à la tête. Tu sais faire au moins ça. S'il a tant de talent, elle te tirerait en plein dedans. Il y a trop de voix pour ce jeu alors que c'est une immondice. Ah oui, ah le deuxième puceron, allez, on lâche rien. Ça sert à quoi d'avoir le moteur à Vox? C'est pour que. Il n'y ait pas de poids dans les trucs quoi. Non, le laissez pas marquer! Oh quel chien! Il
Et en plus, j'ai l'impression que c'est plus maniable pour les méchants, quoi. Mais regardez ça, mais genre, j'ai envie de gerber. Et là, il va forcément l'amener à sa base. Enfin, avec... qu'est-ce qui peut l'en empêcher? Le jeu est méga vide, quoi. Là, je t'ai pas suffisamment foncé dedans pour te voler le puceron. C'est ultra arbitraire la victoire. Enfin, la RNG est dégueulasse. Dans le mille. Et le puceron qui casse exprès les couilles. Mais non. Mais l'autre t'as fait c'est Fast and Furious quoi. C'est quoi ce drift? Le truc a disparu quoi. Et j'ai adoré ça. Ah, y a rien qui va. C'est la course. Mais si c'était une course, je ne la quitterais pas. C'était du casou. Du calme. On va trouver les vraies courses. Et on va essayer de prendre une voiture qui se conduit beaucoup moins bien, histoire de ne pas avoir une savonnette là. Tu sais, quand tu vois ce truc que Jean-Luc Reichmann renierait, tu sais que ça n'ira jamais. Des courses, s'il vous plaît. La petite trollerie. Et what, Hugo? Ah, Jean-Paul. Il y a des trucs qui, donc, il y a des trucs qui tournent plus à bord de son col que les autres. Hein. Allez, dans le Wizoom, en facile. Ce soir, avec trois adversaires, et je suis chaud. Ok, alors allons-y. La petite trollerie. Hugo OP, French Bukazoom. Forcément, ça fait rire Squirtune. De toute façon, il y a le temps. Hein. French Bukazoom. Je l'appellerai ce jeu comme ça. Hugo délire. Hugo French. Donc là, normalement, j'ai pris un gros veau. Donc comme ça, la direction devrait être à peu près normale. Attendez, je cours à la ruine là. Oh non! Oh, c'est pas des vrais circuits! C'est des portes de merde dans des mondes libres! Au secours! Il n'y a pas de vrai level design, j'aurais dû le savoir! Mais non! Là, on est en mode course! C'est plus immonde que j'aurais cru! Il y a 12 modes de jeu et les maps qui sont faites pour aucun. Mais des checkpoints mouvants. Sans aucune once de circuit, de tracé, de quoi que ce soit. Que c'est mauvais de ouf. T'as cette place là? C'est pour la sauvegarde des animaux. Mais qu'est-ce que vous racontez? Je vais tenter un drift. C'est bon. Et du coup, il n'y a même pas des vraies positions. Il y a juste qui est où, quoi. Enfin, le nombre de portes passées. Je
crois que c'est le plus mauvais concept. Attends, mais le saut, il te ralentit de ouf. Oh, le moteur AVOC. Pourquoi? Pourquoi je suis une banane? Jamais vu plus casse-couille. Je n'ai jamais vu plus casse-couille, quoi. Le tracé, même. Je pensais que ce serait presque un peu fun. Vous allez me détester parce que j'aurais pu streamer quand même Red Dead Revolver. Le vrai premier Red Dead. Que j'ai aussi, hein. Je me suis dit, bon, franchement, ça intéresse. Ça ne manque pas nos petites benzouilles. Mais non, mais oh là là, mais les balises qui bougent, mais ce cancer, mais genre, aucun jeu devrait faire jamais ça! Du coup, il y a plein de maps, mais il n'y a aucun mode de jeu qui en tire vraiment parti, quoi. C'est juste une espèce de vieille foire. Oh, tombe, kazoom. Non, mais de toute façon, enfin... À côté, même la jaquette de Cannes a l'air professionnelle, quoi. Imagine, tu vas prendre le goûter chez un pote. Il dit, t'inquiète, j'ai la PS2. Et c'est ça, ces jeux. Cannes qui est en 12+, hein, attention. Jean, donc... La petite trollerie. Et donc, Jean-Paul se sent libre à cam. Kazazoom, Brookroom, Booking Tree, Sumpa Lorsor. Ok. En fait, alors, le pire, c'est que. Une certaine idée de l'enfer, ce serait. Arthur et les Minimoys Racers. Mais c'est pire. Et ça existe vraiment, ça. French Bukazoom, quoi. C'est ce qu'il faut... c'est ce qu'il faut garder en tête, quoi. Et je l'ai, le vrai jeu d'action Minimoys. Je me le garde au chaud. J'ai visité Ewan. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Par contre, ça, Mario Kart a volé. C'est comme Mario Kart DS, mais avant l'heure. Hein. Mais ça, par contre, ça devrait être interdit, quoi, de rentrer dans les poteaux comme ça qui pourtant dansent pendant que l'IA triche. Ça bouge pas un petit peu, tu vois. C'est... Le décor a l'air insane. Les mecs ont payé une licence AVOC, hein.
en faisant leur jeu de chiasse là. Ouais, on a la dernière technologie physique. Hein. Oui. Un vrai circuit, ça me rend fou. Je me bouffais de chaleur. C'est vraiment, je pense, l'un des pires jeux que je possède. Hein. Il est vraiment d'un niveau assez infernal. Hein. Parce que des jeux cassés, ça existe. Il y a des jeux, ils sont full buggés, ou alors ils sont impossibles. Tu leur voues pas la même haine d'un jeu qui, techniquement, fonctionne comme il est prévu. Ramène 5 pucerons, 5 et sauf chez eux. Pour en attraper un, fonce dessus. Ok. Parcours libre, course contre la montre. Toutes les portes le plus vite possible. Ramène 5 pucerons. Traverse 10 portes. C'est tous la même chose! On va faire un petit contre la montre. Jean-Paul Fernando! On va prendre Fernando. On va aller à Watsumpa. Le matin. Techniquement, il y a une espèce de global élimination avant l'heure. Hein. Je pense que c'est en retracing. Merci, Matt Baker. On pourrait jouer à Chivalry 2. Presque 3h du mat. Fait de ma vie. Mais attendez, j'ai retrouvé une figurine de Khan. Bon, tiens, il y a encore les boosters sur la map en fait. Du coup, quoi, mais. Vous n'allez pas me faire croire que là, il y a un tracé qui a été réfléchi. En fait, c'est mieux sans les gens. Non mais ces portes qui bougent, mais comment tu veux faire du time attack efficace avec des portes qui bougent? Bon, Fernando, c'est mon main. N'empêche tout le monde de prendre Fernando, je le dis pas, je le dis à personne d'ailleurs. Et pourquoi Hugo Délire, c'est un insecte en fait, enfin. Et quand il faisait du train, des trucs, des machins, il était pas rikiki. Donc pour que. Je vais finir par croire, les mecs, que vous aviez un sectoresseur et que ça a l'air totalement à chier et qu'un mec a dit d'accord. Si vous voulez, on l'édite, mais par contre, on met un personnage dont on a les droits histoire de le vendre et que ça fasse vivre un peu la légende. Qu'est-ce que vous allez mettre sur cette chiasse? Hugo Délire? Quoi? Mais, posséder les droits d'Hugo Délire? Oui. J'ai investi toute ma fortune, pourquoi? Ouais, ça me paraît bien. Je pense que c'était un bon investissement. Tout mon héritage y est passé. Du coup, il est important que le personnage possède encore des. Aïe! J'aimerais connaître le fin mot de l'histoire. Hein. C'est vraiment une purgeasse. Hein. Non mais. Le time attack peut pas! Tu peux. Hey! Merci Leno. Effectivement. Et regarde, tu peux passer les portes dans l'ordre que tu veux. C'est l'inverse d'un jeu de course.
Ha 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 ha!